Bonsoir à tous. En raison d'un mouvement de grève, nous vous proposons exceptionnellement un journal tout image ce soir. Aucun absent côté enseignant dans ce collège de FAA où seule une partie des agents administratifs est en grève. Si les professeurs se sentent concernés par le report de l'âge de la retraite à 64 ans, ils n'ont pas pour autant cessé le travail. Bien sûr qu'on est tous concernés par cette question, mais... Mais pas jusqu'au point de faire la grève. Je vais dire que l'intérêt des élèves est primordial aussi. Ce sont les élèves qui sont davantage absents les jours de grève, contraints de garder leurs petits frères ou petites sœurs privés d'école primaire, faute d'enseignants. On s'est rendu compte avec les 10 jours consécutifs d'il y a quelques semaines là, de grève, que lorsque les écoles maternelles et primaires sont fermées, nos élèves qui sont plus grands et les aînés souvent restent à la maison pour garder les enfants. Effectivement, dans cette école primaire de Papeete, 50% des enseignants sont en grève, mobilisés contre la retraite à 64 ans. Ils mettent en avant la pénibilité de leur travail. C'est surtout du fait voilà, de la difficulté aussi du métier, ou avec aussi les fermetures de classe, où on a de plus en plus d'élèves dans les classes. Les syndicats, toujours motivés, ont rencontré le secrétaire général du Haut-Commissariat ce matin. Après l'adoption de la réforme des retraites le 20 mars dernier, ils comptent sur son abrogation à l'Assemblée nationale jeudi. C'est comme au football. Donc, tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, rien n'est joué. Donc pour nous, il y a encore de l'espoir. On est des fonctionnaires d'État, on ne conçoit pas au fait de pouvoir de continuer à travailler jusqu'à 64 ans. C'est carrément impossible, en tout cas dans l'éducation premier degré, c'est pas possible. C'est quand même du temps de vie, ça n'a pas de prix et les gens ont le droit de disposer de leur temps de vie comme ils l'entendent. Beaucoup d'écoles fermées, mais seulement une centaine de manifestants aujourd'hui. Peut-être le signe d'un essoufflement après 14 jours de mobilisation. Ovation unanime pour la dernière prise de parole du député Moetei Brodersen lors des questions au gouvernement. Une question sur les radars des avions militaires, à laquelle la première ministre Elisabeth Borne répond par un hommage. Monsieur le président Brodersen, je connais en vous un parlementaire profondément respectueux, un opposant ferme, mais attaché au débat démocratique et toujours prêt au dialogue. Chez nous, gouvernement se dit « how ». « How », ça veut dire la paix. Voilà. Marulo. Il n'y a pas de rupture institutionnelle, nous sommes dans la continuité, mais tout en même temps, en marquant notre différence, notre marque, ce qui est normal. Et ce qui est tout à fait rassurant, c'est qu'effectivement, nous ne sommes pas là pour nécessairement rompre des ponts, mais pour bâtir de nouveaux ponts. 6 ans de mandature, salués également par les autres groupes politiques de l'Assemblée nationale, au-delà des divergences d'idées. Il porte haut et clair et fort partout dans le monde son appartenance, et ça je trouve ça remarquable. Et ça a toujours été un garçon avec lequel on a pu travailler. Même si on n'a pas les mêmes idées, c'est quelqu'un d'une très grande ouverture. Il prend des nouvelles fonctions, et j'espère que dans ces nouvelles fonctions, il veillera à ce que plus que jamais la Polynésie reste attachée aux valeurs de la République française. Moetei Brodersen fait ainsi ses derniers pas de député. Mandat incompatible avec sa nouvelle fonction de président de la Polynésie. Un départ non sans émotion. Je crois que c'est aussi la reconnaissance d'un travail et d'une façon de travailler, une façon de se comporter qui a été reconnue par mes collègues. Et j'ai vraiment un gros pincement au cœur. Vendredi soir, à minuit, Moetei Brodersen ne sera officiellement plus député. Il ne sera plus non plus président de la délégation aux Outre-mer à l'Assemblée nationale, qui compte 54 parlementaires. Meriana Red Arbelot va lui succéder ce vendredi, mais elle sera également candidate à la présidence de la délégation aux Outre-mer. Le président Moetei Brodersen, les deux députés et Meriana Red Arbelot, sa suppléante qui s'apprête à lui succéder, ont déjeuné ce mardi avec le ministre de l'Intérieur et de l'Outre-mer, Gérald Darmanin. Parmi les dossiers abordés, la concession de l'aéroport de Tahiti Faa'a. Moetei Brodersen s'est dit favorable à un nouvel appel d'offres et a plaidé pour un aéroport zéro carbone. Également au cœur des discussions, l'ITR, mais surtout l'indemnisation des victimes du nucléaire. On l'écoute. On va mettre en place un groupe d'études conjoint avec l'État
pour finaliser des propositions qui sont déjà étudiées donc, au niveau des ministères et qu'on va valider. Ces propositions sont pour partie déjà connues de la CPS. Pour partie, ce sont des nouvelles solutions. Donc on va mettre rapidement en place ce comité de travail, État et pays, pour finaliser ces options. Ça, concrètement, ça ressemblerait à quoi ? Alors, il y a plusieurs pistes. Il y a la piste d'indemnisation forfaitaire auprès de la CPS des victimes reconnues par le CIVEN. Et puis il y a celle, je dirais, de plus long terme sur le rattrapage du passif. La petite Adeline est atteinte d'un léger trouble de l'attention. Elle est suivie régulièrement par les équipes de pédopsychiatres. Une aide précieuse face à des situations quotidiennes souvent compliquées à gérer pour les parents. Grâce aux pédopsies, au suivi qu'on a, l'émission qu'il y a, en fait, grâce à eux, on arrive à penser autrement et à comprendre mieux en fait ce que vit notre enfant en fait. Alors l'absence des équipes pédopsies s'est fait sentir durant les 4 derniers mois. Les professionnels n'ont pas pu rendre visite aux familles pour des raisons administratives. Un arrêt brutal qui a privé les enfants des traitements dont ils ont besoin et plongé quelques centaines de familles dans la détresse. Au-delà de ça, en fait, c'est plus le lien avec les familles, avec les partenaires, qui est difficile à maintenir quand on ne vient pas les voir chez eux. Et c'est un lien qui ne se maintient pas au téléphone. Heureusement, l'équipe spécialisée est de retour. Les 5 soignants reçoivent une 20aine d'enfants par jour avec des séances de massage, des exercices de respiration et des jeux d'hiver pour un traitement en douceur. J'ai beaucoup d'enfants quand même avec des troubles du spectre autistique. Mais on va aussi, à différents niveaux de sévérité, mais on a aussi des enfants qui arrivent pour de l'anxiété, pour de l'inhibition, pour un malaise. Ça peut être aussi du harcèlement. Du coup, on va les accompagner là-dessus. L'équipe spécialisée devrait reprendre ses visites régulières sur EATEA pour assurer l'accompagnement de ces enfants en difficulté et peut-être changer la donne quand on sait que 40% de la population polynésienne présente des troubles psychiques. Bravo. Vahine Fiero est officiellement qualifiée pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. La 6e journée des World Surfing Games, disputée au Salvador, lui a souri. La compétition n'est pas terminée, mais avec l'élimination de Pauline Addo, la Polynésienne est la dernière européenne en lice. Elle décroche donc son billet pour Tea Hoop'o. Chez les hommes, Kaouli Vast a encore la possibilité de se qualifier lui aussi. La Polynésie et ses trésors s'exportent jusque dans les garde-robes. C'est le rêve de Soumia Andashi avec cette collection qu'elle a imaginée, ces 14 robes confectionnées comme un hommage aux 5 archipels. Ce qui est extraordinaire avec cette collection, c'est que j'ai eu la chance, parce que je peux dire ça comme ça, dans la vie, il n'y a pas de hasard, il n'y a que de belles rencontres. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes merveilleuses qui ont un talent extraordinaire et qui ont tous... Alors, toutes ces personnes ont apporté une petite touche de leur talent et ont voulu collaborer avec moi. Je donne le meilleur de moi-même aux gens qui en valent la peine et qui ne cherchent pas... Elle est artiste aussi, donc c'est surtout ça qui me plaît. Elle me comprend. Eric est tatoueur de profession, mais artiste dans l'âme. 37 ans qu'il laisse libre cours à son imagination débordante sur tous les supports. Les différentes textures de tissu ne lui font pas peur, bien au contraire. C'est comme la peau. On n'a pas tous les mêmes peaux, donc on s'adapte à la qualité de peau, dureté, souple ou quoi. Les tissus, c'est exactement pareil. Est-ce que ça, la peinture va tenir, va fuser ou quoi que ce soit? Il va falloir faire une vitesse d'exécution, tamponner. En fin de compte, il y a énormément de techniques dans tout ce que j'ai fait, mais au fur et à mesure, j'apprends. Il n'y a que des erreurs de fait, de toute façon, mais personne ne le voit puisque c'est de la création. Et le plus incroyable dans cette collaboration d'artistes, c'est que de l'idée à la naissance des robes, il y a quelques semaines de travail, à ne pas compter ses heures pour être prêt pour le grand soir. Et comme dans tout atelier de styliste, il y a des doigts de fée.
Ce que vous voyez, c'est une partie de la pièce, une partie de la robe. Donc effectivement, là, c'est les toits motus, donc tout ce qui est coquillage des toits motus. Ceux-là, ils viennent de très loin, ils viennent du fin fond des toits motus, de Pukarua. Et donc, ce sont des petites personnes qui, elles, ont ramassé ces petits coquillages et effectivement, ont permis que je puisse réaliser cette pièce. 14 robes, toutes uniques en leur genre, à découvrir vendredi lors de la dernière soirée de défilé de la Tahiti Fashion Week. C'est la fin de ce Tout Image. On se quitte avec le groupe Hey Tahiti au Reiva des écoles. Belle soirée sur la première. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.